Salut à tous, c'est Facimilia. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où comme vous l'avez vu derrière moi, on est à Saint-Vith et on va aller donc visiter l'usine Lifelife, enfin l'atelier Lifelife. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un atelier dirigé par Thierry Neuville lui-même, notre idole belge. Et donc on va aller aujourd'hui régler un carcross à ma taille pour, comme je vous ai déjà expliqué, un track day sur le circuit de Spa en karting le 6 décembre. Donc on va y aller. Donc vous verrez, c'est une usine très très propre, très très bien en tout cas. Et on va faire cette petite visite ensemble tranquillement. Et ici je suis déjà devant, on est déjà arrivé sur place. Et je vais vous guider pendant tout ça. Allez, intro. Voilà toutes les machines, c'est vraiment très propre. Donc là, il y a toutes les machines avec celle avec laquelle je vais rouler à Spa le 6 décembre. Donc nous avons dû faire quelques changements avec un baquet légèrement ravancé. Nous avons dû mettre ce baquet de cartes qui nous suit partout. Nous avons dû mettre les pédaliers ravancés et un petit bac sous le siège. Donc nous avons tout ça. Nous avons un châssis en construction qui a l'air très propre. Vraiment, tout est très propre. Nous avons là des juniors, notamment. Nous avons des châssis en construction avec des moteurs MT-09. Tout ça encore des TN5. Donc les TN5, je rappelle, c'est les machines que Thierry Neuville, donc notre idole à tous en Belgique, fait construire, qui roule aussi dans le championnat de Belgique et partout dans le monde, là où c'est possible, avec encore donc des MT-09 préparés, des moteurs 600 d'adultes. Oups, encore une petite pause. J'ai oublié de préciser, petite erreur de ma part, donc ce n'est pas des moteurs 600, comme je viens de le dire sur les trois châssis exacts, c'est des moteurs de 900 en fait, très exactement 847 cm3. Donc voilà pour cette petite pause, je vous laisse pour le reste. Nous avons ici encore un moteur junior avec un moteur 650 cette fois, 3 cylindres, et un troisième moteur de grand, où là aussi il y a un moteur 600. Donc. Encore une erreur de ma part, même chose, ce n'est pas un 600, c'est un 900 ou exactement 847. Enfin bref, encore erreur de ma part, désolé. Allez, on repasse à la vidéo. Nous avons la partie atelier avec beaucoup de photos de notre idole à tous, Thierry, comme je le dis encore. Nous avons des photos. Et nous avons aussi la partie atelier avec beaucoup de pièces. Et encore le kart-cross avec lequel je vais rouler. J'ai vraiment hâte de ce jour car ça va être génial en conditions sur Spa, Francorchamps. Et nous avons, comme il est mis, le département électrique, les bureaux et ce petit atelier très propre. Donc je trouve ça très propre et je trouve qu'ils ont l'air de faire ça très bien. Et voilà. Donc voilà, la présentation faite. Je vais vous laisser sur quelques plans de ces magnifiques machines. A tout de suite. Donc re tout le monde, donc je suis revenue chez moi, on a fait le trajet, donc on a été déjà on a déjà adapté tout à ma taille niveau du kart cross, donc ça va être bien. Je suis désolée si j'ai peut-être pas su vous filmer beaucoup, mais bon, vous voyez, c'est pas très très facile, surtout dans des moments comme ça.
Donc là, je suis de retour chez moi. Donc je vais vous récapituler un peu. On est arrivé là-bas, ils nous ont fait un peu visiter l'atelier qui est grand, n'empêche, comme vous voyez sur les images, mais qui est très beau, très très propre. Oui, j'aime bien le mot propre pour ça, car c'est ce qui va bien avec cet atelier, je trouve. Et donc là-bas, on est, je suis arrivée avec le carte, enfin ils sont arrivés avec le carte cross. On a adapté tout ça à ma taille, on a mis des cales et tout ça. Je vous ai déjà montré sur la vidéo que ce qu'on a dû faire comme adaptation. Donc c'est pas facile, comme je dis souvent, avec ma petite taille, mais on s'arrange bien avec. Et rien qu'avec ça, je sens que le track dès le 6 décembre va être génial. Là-bas aussi, il y avait notre idole belge, Thierry Neuville, comme vous l'avez deviné. Et donc on a parlé, je n'ai pas su vous le filmer, car voilà. Mais on l'a vu, on a parlé, c'était vraiment super chouette. Et il avait parqué son hélicoptère juste devant le bâtiment, c'était très impressionnant. Et voilà pour cette petite visite. Avant de se quitter, je vais juste vous demander un petit truc, comme vous avez l'habitude, enfin comme vous en avez l'habitude, c'est s'il vous plaît de liker, de s'abonner et de ne pas mettre de dislike, s'il vous plaît. Bon. Non, allez-y, j'attends. J'attends juste que vous fassiez. Ça prend 2 secondes. Ouais, tu cliques là et tu vas le bouton s'abonner. C'est fait? Parfait. Si t'as mis le petit like, c'est parfait. Parce que aussi, j'ai regardé beaucoup notre dernière vidéo. On a fait beaucoup de vues, donc 10 000 vues. Mais j'ai remarqué que plus de 95% des personnes n'étaient pas abonnées à ma chaîne. Comme je dis, c'est pour ça que c'est très important. Ça peut m'aider, car imaginez si j'ai 10 000 abonnés. J'ai eu 10 000 vues, mais 300 abonnés. Donc, vous comprenez un peu l'importance. Allez, bon, maintenant que j'ai tout récapitulé, je crois que je peux vous laisser à l'autre. À plus!